Alors, Madame Boone, merci beaucoup. Et j'aurais moi voulu vous poser une question en marge de votre exposé, effectivement, pour lequel il était peut-être prudent de prendre quelques antidépresseurs avant de venir, sur un point précis qui nous concerne au premier chef en France dans nos relations internationales, qui est la prééminence de la monnaie dollar dans notre économie. Dans un article publié sur le site Bloomberg le 3 novembre dernier, c'est M. Georges Saravelos, qui est responsable mondial de la recherche sur les devises à la Deutsche Bank, qui note l'accroissement pour autant de l'usage de l'euro comme monnaie mondiale d'emprunt vis-à-vis du dollar. Il serait de plus en plus utilisé dans les emprunts internationaux et dans le financement interbancaire. Il y a des raisons multiples à cela, des perspectives de politique monétaire stable de la Banque Centrale Européenne et de la Réserve Fédérale, une disparition des craintes de récession, cela dit, à vous écouter, je ne suis pas sûre que ce soit tout à fait juste. Et puis, j'aimerais quand même vous poser la question suivante. Il peut être intéressant de rapprocher cette information avec la question de la, ce qu'on appelle la dédollarisation que se posent de plus en plus de pays qui souhaiteraient notamment échapper à la prééminence américaine et à l'extraterritorialité du droit américain, d'où ce qui nous concerne, pour ce qui concerne la France, c'est la problème de notre présence en Iran. Cette dédollarisation est devenue un instrument au service de la diplomatie des BRICS, notamment. La Russie, depuis 2014, a entrepris un processus de dédollarisation de son économie et de son système financier pour contourner les sanctions américaines. La Chine, qui de son côté cherche à peser dans sa guerre commerciale que vous avez évoquée avec les États-Unis, mais aussi à s'imposer internationalement via son projet des routes de la soie, avec des contrats qui sont progressivement libérés en yuan en Afrique orientale et australe. Et au niveau européen, cette dédollarisation de notre économie constitue une hypothèse de travail qui pourrait être intéressante, c'est la question que je voudrais vous poser, pour contrebalancer l'extraterritorialité du droit américain. Donc, in fine, le yuan, l'euro ou encore le rouble, qui sont de plus en plus perçus comme des alternatives au dollar américain, au point d'en contester le leadership dans les transactions internationales. Quelles sont les conséquences de ce phénomène sur le plan économique, politique, financier? Est-ce d'ailleurs plausible dans un environnement que vous avez décrit comme particulièrement incertain? Est-ce envisageable de voir cette dédollarisation de l'économie se mettre en place? Alors, sur le rôle de l'euro, c'est assez rapide pour que la place de l'euro dans les transactions internationales n'a en fait pas évolué. Elle avait un peu augmenté comme monnaie de réserve au moment de sa mise en œuvre. Mais elle n'est pas plus utilisée aujourd'hui que le dollar. Et c'est très simple. La raison principale, c'est que je pense que les pays de la zone euro n'ont pas encore convaincu que c'était une zone forte, unie et inaltérable dans sa composition. Qui répond à une question qui m'a été posée sur la consolidation de l'union économique et monétaire. Juste après la crise financière, comme vous savez, on a lancé beaucoup de travaux là-dessus. Et quand on regarde 10 ans plus tard, la vérité, c'est qu'on a très peu progressé, voire régressé, puisque les marchés financiers en zone euro sont en fait aujourd'hui beaucoup plus fragmentés que ce qu'ils pouvaient être aujourd'hui. Il y a un vrai, si je dis les choses simplement, il y a un écart entre pays pour faire avancer et consolider l'union économique et monétaire qui est plus important que ce qu'il était au moment de la crise financière. Et je pense qu'on va avoir du mal à faire ce qui est nécessaire. À ce stade, ce qui me semblerait le mieux à faire, c'est d'arriver à avoir une position commune sur la politique budgétaire pour enlever un petit peu du poids des épaules de la Banque centrale qui, avec la politique monétaire, porte toute la gestion du cycle